Et bien c'est deux amis, c'est Archi, comment ça va Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment ouvrir les fameuses chambres fortes. Vous le savez, on a des forts des chambres fortes qui sont arrivées sur Fortnite. Elles sont très intéressantes. Mais comment fait-on pour les ouvrir C'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais en tout les amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de news, de guides, de tutos sur ma chaîne YouTube, c'est pas à rester connecté. Il y a également le guide des nouvelles quêtes Most qui est disponible sur ma chaîne YouTube, Mais c'est pas à rester connecté en vous abonnant et surtout à aller checker ça. Vous avez en description tous mes réseaux sociaux, compte Twitter, compte TikTok, chaîne TikTok. Et également, chaîne 2, je ne sais pas, allez, euh, allez les suivre pour booster un maximum ma chaîne. Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on va devoir faire C'est très simple, déjà, on spawn dans un emplacement. Donc, ici, on vient du côté de Faulty Speed. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va pas aller directement vers le coffre qui est en dessous de nous parce qu'en en fait, il y a énormément de personnes. Vous voyez qu'il y a déjà du monde qui est en train de se soigner et tout ça. On ne doit pas aller directement vers les zones où il y a. Dans les, vers les zones où il y a donc les coffres directement. Ça ne sert à, absolument à rien. Donc, vaut mieux attendre un petit peu, un petit peu de temps. Attendre 30 secondes, quelques temps, de se looter un petit peu, de se mettre beaucoup de vie. Parce que sachez que ça va être vraiment très, très tendaxe d'aller ouvrir une, une chambre forte. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a déjà énormément de monde qui y vont. Mais en plus de ça, il y a également des bottes autour qui protègent le coffre. Donc, on va devoir attendre un petit peu. On va se loot tranquillement, se prendre énormément de points de vie. Comme vous pouvez le voir actuellement, ce que je suis en train de faire. Et ensuite, on va pouvoir y aller quand on sera plus safe. Quand on sera également déjà, quand il y à moins de monde, et quand on sera surtout nous de notre côté beaucoup plus, euh, beaucoup mieux équipé. Donc là, on a largement le temps. Ne vous inquiétez pas si il euh, a du monde qui va qui vont avant vous, ce n'est pas du tout grave. Et donc, euh, il est où le bonhomme? Ok, il est là. Il est là... Et donc voilà, on tue un petit peu de monde. Également, attention si vous voulez rentrer plus tranquille dans les euh, dans les, dans, les coffres, dans la chambre forte, ne montez pas votre niveau de notoriété trop haut. Pourquoi Parce que bah, en fait, plus votre niveau de notoriété est haut, plus les bots seront agressifs envers vous et ça sera plus compliqué. Donc faites vraiment attention à ça, euh, de, ne pas faire, euh, de ne pas être trop trop haut pour ne pas en fait avoir, le, avoir en fait simplement ce, ce désavantage que les bots en fait, viennent vous euh, vous, vous assassiner en deux minutes tellement en fait ils, ils pourront. Euh, ils seront agressifs envers vous. Donc faites vraiment attention à ça. Et là, regardez, je je monte vraiment énormément en termes de, de notoriété. Donc ça, il faudra vraiment y faire très très attention. Donc là, regardez, le coffre-fort est en dessous. Et donc, on va devoir faire quoi En fait, on va devoir tuer le boss qui est sur la zone. Le boss qui est sur la zone, c'est qui On va aller le voir. Là, j'ai plus de balles. Donc, je fasse également attention à ça. Euh, hop, là, superflu. On s'en fout. Euh, ça me sert à rien. Est-ce qu'il n'est pas un truc... À... Il euh, n'y a pas un truc qui, va, qui peut m'intéresser. Ah, ils ont augmenté le prix des. Euh... Donc, les amis, on va devoir attaquer le boss comme je suis en train de le faire actuellement. Il est très très puissant. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas mourir bêtement. Là, je suis mort, par exemple. Regardez. Donc, il faudra vraiment faire attention de ne pas mourir bêtement. Et ensuite, on va devoir en fait tuer le boss. Et quand on l'aura tué, ce fameux boss là, en fait, il va faire tomber une carte. Et cette carte d'accès va nous permettre tout simplement de pouvoir rentrer dans le fameux coffre-fort. Donc, il faudra absolument attendre cette fameuse carte d'accès. Si vous n'avez pas la carte d'accès, vous ne pourrez pas du tout rentrer. Il n'y a pas d'autre. Moyen pour rentrer dans le coffre-fort que cette fameuse carte d'accès là, donc vous ne pourrez absolument pas, comme je dis, euh, venir rentrer à l'intérieur si vous ne l'avez pas. Donc ici, nous on va se soigner tranquillement. De toute façon, si c'est vous ou, le, ou une autre personne qui le tue, c'est pas un problème. Dans tous les cas, le coffre va être ouvert dès que la carte d'accès sera euh, récupérée et sera et euh, aura activé en fait simplement le, le coffre-fort. Donc là, on va se louter on va se continuer de se, se remettre bien parce qu'on a pris vraiment trop trop cher pour euh, pour re, euh, refoncer dans le tas. Et ensuite, on va pouvoir, euh, on va pouvoir, retourner, euh, on va pouvoir retourner ici, euh, se battre contre le boss. Le boss est là. Donc, on va l'attaquer, on va le continuer d'attaquer. Il m'envoie, mais attends, mais il est trop fort. C'est il, il vraiment tout ce qu'il faut faire en vrai. Hein. Ouah, mais attends, what Mais regarde-moi les attaques qu'il me met en plus. Faut vraiment faire attention. Le boss est très très puissant. Oh merde, oh le tryhard en plus encore Non mais attends c'est un délire par contre non mais attends c'est un... Bon les amis, nous on est mort, c'est pas forcément grave. Vous allez voir que lui va attaquer le boss. Le boss n'a plus beaucoup de points de vie. Regardez là, le boss il est là, il a plus beaucoup de points de vie. Il est dans son, dans sa vie uniquement. Et là, il va prendre très très cher le boss. Donc là, s'il meurt pas, on peut être pas mal. Donc les amis, lui il a dû récupérer la carte, regardez, lui il a la carte sur lui, donc on voilà, va, on va rester sur lui, lui il a tué le boss, donc il a la carte d'accès maintenant. Donc qu'est-ce qu'il va devoir faire C'est très simple, la carte d'accès c'est un item sur nous qui prend une case. Donc on a en face de nous un terminal en fait qui va nous permettre de rentrer la carte d'accès et ainsi le coffre va pouvoir s'ouvrir. C'est vraiment cette carte là, uniquement cette carte d'accès qui est uniquement sur le boss. Hein. Le boss c'est le personnage plus gros qui a deux barres de vie, hein, la barre de, point, de bouclier et la barre de points de vie. Après il y a les sbires avec leur masque basique. Donc vous le tuez, vous allez avoir automatiquement une carte comme on avait on avait à l'époque sur comment il s'appelait dans la, dans la caverne qui avait donc dans le chapitre 3 on avait également la même chose on avait une carte également sur Gunnar donc on avait une carte également qui tombait et là on va il va pouvoir donc ouvrir le coffre en interagissant avec le terminal qui est juste en face de lui tout simplement donc là regardez là il va ouvrir tout simplement ici il a interagi la carte il vient de la perdre en bas à droite on voit qu'elle a disparu et là ça va se mettre à jour le coffre est en train de s'ouvrir et il va pouvoir dès maintenant profiter de ce coffre là puisqu'il a pu l'ouvrir donc tuer le boss premier Étape, se, loot, se looter extrêmement bien. Le boss est très très puissant, vraiment il est plus fort que tout ce qu'on a pu rencontrer euh, des, depuis longtemps sur le jeu. Ensuite, faudra récupérer la carte en tuant le boss et en tuant également les adversaires qui sont tout autour. Et ensuite, vous récupérez la carte, vous venez dans l'emplacement le, dans exact où il y a le fameux coffre et vous pourrez automatiquement ouvrir le coffre fort, la chambre forte et ainsi profiter de tout ce qui est à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir ici, la carte d'accès permet d'ouvrir sur le terminal, d'ouvrir le coffre et ainsi profiter de tout le loot qui est à l'intérieur. Les amis, n'hésitez pas laissé, hein à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo également à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement en termes de tuto d'astuces de news énormément de choses en préparation vous arrivez sur cette chaîne youtube donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne vous avez aussi en description ma chaîne twitch mon compte twitter mon compte tiktok c'est pas allez suivre tout ça n'hésitez pas pour me soutenir un maximum on est en live pratiquement tous les soirs n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch bien évidemment j'espère j'espère ça vous aura plu moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez, ciao tout le monde. Donc voilà, faut vraiment faire absolument attention aux adversaires qui sont autour de la zone et qui viendront vous rush en tous les cas. Comme je dis, vous avez trois emplacements où vous avez donc ces fameux coffres forts. Brutal bastion et le pire, je vous le dis. Généralement, potentiellement, on pourra en avoir plus des coffres forts au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et dans et dans et dans l'histoire de Fortnite dans, ce, dans cette saison-ci. Donc ça, ça pourra arriver, bien évidemment. Et pour l'instant, on en a que trois. Donc on va faire avec. Et donc, comme je dis, comme on a pu avoir pour le précédent chapitre où on a eu des coffres forts, et eh ben il, il y en aura beaucoup plus euh, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les histoire pour l'instant il n'y a que trois mais c'est quand même trois coffres très intéressant faudra trouver la carte mais évidemment la carte d'accès je vous montrerai comment faire pour avoir la carte d'accès et ainsi ouvrir le fameux coffre fort et ainsi profiter de le de, du fameux euh, du fameux butin qui est à l'intérieur comme je dis ici